Ah bonjour, pardon. C'est quoi ça? C'est moins attendu là. Miaston est attendu apparemment. Excusez-moi, je mange des nakis en même temps, c'est... Enfin... Alors, 25, pour déjà vérifier, hein, déjà... D'accord. Oui. Je pense que c'est live. Le logo est présent. Le numéro 78-95-51-15. Bon, ça va être bon, madame. Good afternoon. Ah, Glory Smith. Bonjour madame. Bon, alors votre apparence a l'air d'être ça. Par contre, rien, rien. Oui, bah oui, bah montrez. Voilà, montrez. C'est pénible, hein? Voilà. Sauteur 85, 11,50. C'est où déjà? Elle est où? Cinq 50, c'est bien. D'accord. Ça, c'est bon. On est bon là-dessus. On va vérifier un autre truc. On va téléphoner à votre... Je sais pas si c'est votre mari. 51-23. Me semble bon, hein, madame. Hein. Ah, petit point de goutte de... Oui, c'est bon aussi. Bon afternoon, madame. Alors, êtes-vous sur la liste des attendus? La grande question se pose tous ici. Mia Stone. Ouh, voilà, très bien, ça c'est ça qu'on veut là.
110,95, 51,15. Franchement, est-ce que c'est possible de faire rentrer par accident des extraterrestres au bout d'un moment? Je pense que c'est au bout d'un moment, c'est plus possible. Oui. Voilà, bah, ça prend une fausse. C'est dingue, c'est la même. On peut pas avoir la différence, quoi. Le coup de fil, il est indispensable, même si tout va bien. Là, la moustache, elle est correcte. Oh, il a un chapeau, mais bon, bah, oui, ça peut arriver, hein. Quel étage là? Autre chapeau, effectivement. Ça coûtait un 23 en téléphone direct. D'accord. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Eh ouais. Eh, vous avez oublié. Bah, vous avez oublié. C'est exactement ce que je vous reproche. Ça, c'est bon. Je vous fais rentrer, mon petit monsieur, en vous souhaitant une bonne journée. Merci beaucoup. Ça va. Il est moche. Il est laid. Ça manque un petit peu de rebondissement quand même, hein. Je sais pas, c'est un peu. Pas. C'est pas mal, mais au bout de la deuxième partie, on commence déjà à se lasser un peu. Pitchman, ok. C'est le gars, hein? C'est le gars. Onze quarante-six, 97-30. T'as plus qu'à passer l'épreuve du téléphone et puis c'est bon. Écoutez, monsieur, j'ai l'impression que tout est bon pour vous. Je vais valider votre entrée. C'est fait. Oui. Bon. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que... Hein?
Ah si, si, il existe, d'accord. Angus Cipriani. Ouais, Mistache, Small Eyes, ok. Alors, 56, 50, 45. En général, le numéro, j'ai l'impression que ça sert à rien de le vérifier parce qu'il est tout le temps bon. Tout est parfait. J'aime pas sa gueule, j'aimerais bien trouver un défaut pour le refouler, mais j'ai l'impression que maintenant, il est bon, quoi. Je vais le griller avec ça. Et à mon avis, ça va être bon. Il habite tout seul, personne ne devrait répondre. Bah, écoutez, monsieur, je paye votre entrée. C'est impeccable, bien sûr. Oui, allez. Bonne journée, monsieur. La chance. T'as l'air précieuse, toi. T'as l'air précieuse, toi. Selene Swerts. Soixante-dix-huit, cinquante-six, quatre-vingt-quinze, quatorze. On va téléphoner. C'est bon, mais on va téléphoner quand même. 29,96. D'accord. Très bien, bon, c'est bon. On va valider l'entrée. Ah bah décidément. Les extraterrestres étaient dans la première partie en fait. Félicitations, vous êtes reçu, madame. Smith. Quatre quatre-vingt-cinq, cinquante. Merde, 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 merde. On va juste vérifier le téléphone. D'accord. Ok. Désolé pour le dérangement, madame. Restez là, ne bougez pas, on s'occupe de vous tout de suite. Eh oui, on n'aurait pas cru, hein, mais c'est une fosse. C'est une fosse. C'est un putain d'extraterrestre sosie. Là, j'aurais pas fait les coups de fil. On se faisait baiser, là. Ah ouais, mais là, radicalement, quoi.
Parce que là, c'était parfait. Tout était parfait, quoi. Excusez-moi, mais le gars là, il vient bien de rentrer quand même là. Il est bien rentré à l'instant. J'ai pas rêvé, hein. Robertski là, il est rentré tout de suite. Robertski, tu es déjà chez toi. Arrête, Robertski. Ne fais pas ça, Robertski. Je vais téléphoner, mais à mon avis, t'es grillé, t'es chez toi, en fait. T'es chez toi. T'es chez toi, Robertski. T'es chez toi, t'es chez toi, je t'ai vu. Moi, je confonds le parti, mais ça se... Ah oui. Ah oui, bah oui, bien sûr. Entendu. Eh bien entendu, je suis désolé, monsieur, c'est une simple vérification. Désolé, il m'a raccroché au nez. Ah, allez. Ne bougez pas, on s'occupe de vous. Allez. Bonjour. Steven Rude Boys. Effectivement. Alors, on va... Cinquante-six, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante-cinq. C'est très bon. On va passer un petit coup de fil quand même. 42, 42. D'accord. Oui, désolé pour le dérangement, monsieur. Et tout semble en ordre. Vous pouvez passer. C'est quoi ce godemiché sur le du visage? Oh non, mais gros, t'es même pas dans la liste. Il y a plein de monde, t'es même pas dedans. Qu'est-ce que tu viens de faire chier là? Ah, t'as la même pauvre tête que sur ta photo. Ça, c'est clair que. Ah, donc, t'habites où, toi? D'accord, effectivement. Mais t'es pas sur la liste, hein, gros. 11h52, j'ai déjà pas me faire chier à retenir le numéro. Directement appeler ta femme. Oh, t'as quand même l'affaire à l'envers. Parce que je vais kicker, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Ah, d'accord. Oh, très bien. Excusez-moi pour le dérangement. Bougez pas, monsieur, on s'occupe de vous tout de suite. Là, ce sera prêt à voir. Hein. C'est un sosie parfait, celui-là. C'est un sosie parfait. Oui. Allez.
Bonjour. Raftelin Capuchin. Alors, vous habitez troisième étage, appartement 4. Raftelin Capuchin. 56,85, 63,29. Très bien. Vous pouvez peut-être me donner vos... Oui, ce serait sympa. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est très sympa. Le prochain coup, c'est de donner directement, quoi. Et oubliez votre idée avec vos conneries. 56,85, 63,29. Ça me paraît bien. Maintenant, bien, c'est où? Il est où? Un petit coup de fil pour voir si vous êtes chez vous. D'accord. Bon, bah écoute, elle arrive, t'as ça ne bouge pas. Ah ouais. Pas gros. Panique pas gros. Excellent, comme tu dis. Allez. Fatigué, toi, faut dormir hein, la nuit, hein. Alors, Francis Moses, étage 3, appartement 2. Vous vivez tout seul, monsieur? 23, 55, 89, 95. Très bien. Ah, ça me paraît bien, je vais juste vérifier que vous n'êtes pas chez vous. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Écoutez, tout est en ordre, vous pouvez rentrer chez vous. Salut, comment ça date? Célène. Dix-huit, cinquante-six, quatre-vingt-quinze, quatorze. Eh bien, ça, il y a ça. On va juste téléphoner voir si vous n'êtes pas chez vous. On s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Allez, dégage. Est-ce que j'ai fini mon papier de knackies? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette malbouffe? J'arrête après. Ouais, il n'y a même pas. Non, non, non.
Et même pas tortiller du cul pour chez droit, hein? Ça saute aux yeux que c'est un extraterrestre. Ouais, embarquez-moi tout ça. T'es sérieux? Robert Sky, Wrong Eyebrows. Ah merde! Robert Sky, je suis épuisé. Je me suis fait berner. Moi qui est en train de dire que c'était trop facile. Merde. Quelle déception.